Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Bienvenue, frères et sœurs, en ce dimanche de la Pentecôte dans notre cathédrale Saint-Vincent. Bienvenue aux jeunes qui vont nous aider à demander à l'Esprit Saint de nous rejoindre, de nous saisir personnellement. Bienvenue à Anaïs qui fera sa première communion aujourd'hui. Bienvenue aussi à Anthony qui va devenir enfant de Dieu par le baptême. Nous accueillons avec joie les membres de sa famille qui vont nous rejoindre. Et puis bienvenue aussi à tous ceux qui de la paroisse ont été confirmés cette nuit à Autun, à la cathédrale d'Autun, en tout cas à Autun. Frères et sœurs, nous entrons dans cette messe de la Pentecôte en demandant tout d'abord au Seigneur et à son Esprit Saint de venir faire le ménage en nous, de venir nous purifier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais à mon vie que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par conscience. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que la célébration du mystère de Pâques dure 50 jours et s'achève aujourd'hui avec la Pentecôte. Fais que les hommes, en proie aux divisions de toutes sortes, soient rassemblés par l'Esprit Saint, pour que chacun, dans sa langue, le rende gloire à Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthès, Médès et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un enfermement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumise à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Jérusalem avec les apôtres,
alors qu'en réalité, la parole de Dieu est active, actuelle, et elle est pour nous. Il y a 20 siècles, les apôtres étaient donc réunis à Jérusalem. Ils étaient comme craintifs, peureux, encore verrouillés sur eux-mêmes. Leur Christ, Jésus, leur avait été en quelque sorte enlevé et l'environnement n'était pas très favorable. Et voilà que, vous connaissez cet épisode de la Pentecôte, voilà que des langues de feu surgissent et descendent sur les apôtres. Comme un violent coup de tonnerre, voilà l'Esprit Saint qui rentre dans une maison et qui se pose sur eux des langues qu'on aurait dites de feu. Cette introduction de l'Esprit Saint va avoir deux effets sur les apôtres. De peureux, ils vont devenir courageux, audacieux. D'inquiets, ils vont devenir entreprenants. La première évangélisation va commencer à présent, après cet événement de Pentecôte. Et nous l'avons aussi entendu dans ce récit de Saint-Luc, premier miracle. Il y avait toutes sortes de nationalités qui étaient venues à Jérusalem, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce. Tous entendent l'Évangile. Tous entendent comme une parole de feu la parole de Dieu prononcée par les apôtres. Ceci, c'était il y a 20 siècles. Et en même temps, dans l'Évangile, Jésus nous dit, et c'est aussi pour nous, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Alors, frères et sœurs, cette Pentecôte, elle est pour nous. Non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui et maintenant. Cette Pentecôte a commencé hier soir par la grande vigile que nous avons célébrée à Autun, comme les années précédentes, veille de la Pentecôte. Monseigneur Rivière a eu la joie de confirmer 45 hommes et femmes adultes de Saône-et-Loire, 10 venaient de notre paroisse, nous les avons accompagnés toute cette année, plusieurs d'entre vous sont là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez très simplement vous lever pour qu'on puisse vous voir, vous qui avez été confirmé cette nuit ou à Pâques, voilà, ou à Pâques, Marie, dont c'était il y a un an. Voilà, quelques-uns sont là, merci, vous pouvez vous asseoir et nous allons continuer à prier pour vous. Cette Pentecôte a donc commencé hier soir et j'ai eu la joie d'avoir un petit témoignage qui m'a été communiqué. Il y avait aussi parmi les 45 une jeune femme qui s'appelait Tessie et qui est venue me voir en me disant « Il y a 8 ans, vous étiez mon compagnon de voyage dans le Paris TGV, le Creusot, et nous avons parlé. » Et à la suite de cet échange, vous étiez juste à côté de moi dans le TGV, j'ai commencé un cheminement vers la confirmation adulte. Et donc nous nous sommes retrouvés 8 ans après, hier soir, à Autun. Alors il est vrai que dès que je rentre dans un TGV, ça m'arrive beaucoup depuis quelques semaines pour les raisons que vous connaissez, mais auparavant, avant de pratiquer le Blablacar, quand je rentrais dans un TGV, je priais toujours l'Esprit Saint me donner un compagnon, un voisin avec qui pouvoir témoigner, pouvoir en tout cas échanger. Voilà l'Esprit Saint donc, qui a commencé à se manifester hier soir avec la confirmation adulte. Esprit Saint qui veut se communiquer à vous tous personnellement et aussi à nous tous en paroisse. Alors vous l'avez entendu, nous l'entendons chaque année. Ce passage de saint Paul aux Galates, on peut dire que saint Paul est cash, saint Paul est extrêmement précis, et saint Paul nous dit, mais au fond, l'Esprit Saint, quels sont ses fruits? Pourquoi ai-je intérêt à passer un peu de temps à prier l'Esprit Saint, à chanter le matin, on a béni Créateur? Saint Paul nous le dit clairement, saint Paul nous dit, les fruits de l'Esprit Saint sont que vous avez écouté. Amour, merci. Joie. Paix. Patience. Vous avez le texte.
bonté, bienveillance, patience, douceur, maîtrise de soi. Pas mal. Quand on aura acquis tous ces fruits de l'Esprit Saint, nous serons vraiment magnifiques. Et Saint Paul connaît bien la nature humaine, puisqu'il cite aussi l'ennemi de l'Esprit Saint, tout ce qui nous conduit vers le bas. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, autre chose du même genre. On peut dire que la plume est assez précise. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, ce que je vous propose, c'est que voilà, nous fassions peut-être chacun un examen de conscience tout simple et que nous disions, mais oui Seigneur, je veux recevoir aujourd'hui, maintenant, ces fruits de l'Esprit Saint, ces fruits qui vont me grandir, qui vont me rendre plus beau. Je veux renoncer à tout ce qui m'abaisse, à tout ce qui me conduit vers la terre. Alors je vous propose ce petit exercice, on va prendre un petit moment tout simple, silencieux, nous nous tournons vers l'Esprit Saint et nous lui disons, mais Seigneur, Esprit Saint, viens maintenant dans ma vie, s'il te plaît, descends dans ma vie pour que je puisse cueillir les fruits de l'Esprit Saint dont me parle aujourd'hui Saint Paul. Thank you.
renouvelés, frères et sœurs, par l'Esprit Saint, nous pouvons ensemble, une seule fois, professer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux temps de la mer, le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous élargissons notre prière à l'Esprit Saint. Thank you.
Seigneur Esprit Saint, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de la quête. Merci pour votre générosité. La quête finance la mission paroissiale. Accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque. Tu as répondu
sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Il est grand le mystère.
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons ce dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, t'aide à reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Prions aussi pour Thérèse Fèvre, Rampan. Nous célébrons cette Eucharistie en action de grâce en l'honneur de la Vierge Marie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions également pour Anaïs qui va recevoir le corps du Christ et Antonin, le sacrement de la terre. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Henri Camus, pour André et Janine Martin, pour les âmes du purgatoire et les âmes des enfants avortés, pour Augustine et Henri Ménestrier et leur famille, prions également pour Gérard Ruby. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Professeur dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
action de grâce pour sa première communion. Jésus, merci pour cette journée de retraite avec les sœurs. Merci Jésus de m'avoir préparé à te recevoir. Fais que je grandisse dans ton amour. Et l'animation de cette messe.